Il est timide et il se soigne. 10 jours par mois, Alexis avale une dose de Détimadol, un nouveau médicament destiné à empêcher les timides de rougir. À l'origine, je pensais qu'il fallait vivre avec toujours. J'ai vu des médecins au début qui ne m'ont pas forcément beaucoup aidé. Et puis, j'ai trouvé là cette solution qui me convient bien. Ça va vraiment beaucoup mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux. Bon, c'est un traitement régulier, mais on peut prendre ce médicament avant un événement où, justement, enfin, qui autrefois aurait généré un phare terrible. Et j'avoue que ça m'aide beaucoup. Après 10 années de recherche, les laboratoires Dulcy et Pierre Pharmaceutique commercialisent ce précieux remède depuis le mois dernier. Si certains traitements combattent déjà le stress, c'est la première fois qu'un médicament s'attaque directement aux symptômes visibles de la timidité. Le Détimadol provient de l'Amaranthus, l'Amaranthus étant un arbre qui pousse en Chine. Grâce à un certain nombre de modifications chimiques, nous avons pu mettre au point le Détimadol qui possède des propriétés très particulières au niveau des terminaisons nerveuses qui elles-mêmes jouent sur les vaisseaux qui irriguent le visage. Principal marché du Détimadol, les candidats amoureux. Pour les professionnels du mariage, le rougissement est l'une des causes principales des rencontres avortées. La personne qui n'arrête pas de rougir va se sentir elle-même tellement mal que ça va la bloquer au point de départ pour entreprendre n'importe quelle relation avec quelqu'un d'autre. Ça va faire peur à l'autre personne en face aussi. Restent les irréductibles, ceux qui sont trop timides pour consulter un médecin ou entrer dans une pharmacie. Ceux qui, à force de jouer de leur timidité, en ont parfois fait une histoire de charme. Je vous dis, moi j'ai une espèce de tendresse un peu pour la timidité. C'est mieux d'essayer de la vaincre, quoi. Je crois que c'est un effort à faire de l'intérieur de la tête. Mais je pense que ça rendra peut-être service à beaucoup de gens, parce qu'il y a des gens qui sont à un degré où un pas en avant devient des fois difficile. Alors peut-être ça sera un petit début de traitement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres manifestations.